Nang's reborn. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scuban. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous. Yeah! Quelque chose s'est passé sur Scuban. Et ça nous a tellement dépassé que nous avons encore décidé de faire une vidéo pour essayer de toucher ce point ou encore les éléments importants de cette histoire afin de permettre à beaucoup de personnes qui n'étaient pas là de comprendre ou encore de découvrir des choses étranges qui se sont produites. Yes, il y en serait bon. De quoi s'agit-il? Pour ceux qui n'ont pas informé, peuvent regarder le dernier live, le live précédent, la vidéo précédente et découvrir cela. En fait, c'est un chanteur qui s'est confessé. Il ouvrait la bouche en public, ça veut dire quoi? En plein concert. Et il a dit des choses vraiment troublantes, des choses vraiment graves, étonnantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ouvrait la bouche et il a dit à ses fans que ils iront à l'enfer avec lui. Ils iront à l'enfer avec qui? Il dit avec lui. On dit mais pourquoi? Il dit parce que vous avez écouté mes chansons des millions de fois. Mais pourquoi le fait d'écouter une chanson? Comment se fait-il que le fait d'écouter une chanson peut conduire à l'enfer? Est-ce qu'il y a un problème avec cette histoire? Y a-t-il un problème? Franchement, c'est de ça que nous allons parler ici. C'est de ça que nous allons parler. Soyez prêts, mes frères et sœurs, ça va être chaud. Soyez prêts, ça va être vraiment chaud. Il dit que vous ne savez pas. Il dit que vous ne savez sans doute pas. Mais le simple fait d'écouter ma chanson, ça vous conduit tout droit dans un chemin, ou encore sur un chemin, qui vous amènera directement à l'enfer. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Péché avec qui? Il dit que vous avez péché avec moi, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'était une révélation. Que pouvez-vous dire de cela? Regardez les lives, vous allez voir. Il y a eu beaucoup de réactions hier. Les réactions, même que ça a eu nous-mêmes, ça nous a étonné. C'est la première fois de recevoir un tel feedback. Mes frères et sœurs, franchement, c'est grave. C'est grave. Il parle de quoi ici? Il parle de l'enfer. Et il parle de quelque chose qui va pousser beaucoup de personnes, encore ses fans, y compris lui-même, à aller en enfer. Et quelle est cette chose-là? C'est la musique. La musique. La musique. La musique, c'est pourtant simple, non? Mais pourquoi cette musique-là peut-elle conduire les gens à l'enfer? Si il parle ainsi, et qu'il ajoute à cela le péché, c'est que, assurément, il y a quelque chose qui est dans sa musique là, qui est censé amener l'homme à pécher sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit qu'ils ont son peuple ou encore son public à pécher avec lui, en même temps que lui. Il dit vous avez péché avec moi, vous et moi, nous avons commis le même péché. À cause de ce péché là, nous irons à l'enfer. C'est lui qui parlait ainsi. Mes frères et sœurs, un péché, la musique aujourd'hui qui ne glorifie pas Dieu là, est vue comme un péché. Ça là, c'est ça en fait. Tous ceux qui chantent une musique qui ne glorifie pas Dieu, ou encore qui fait l'apologie de Satan, ou encore les choses de ce monde, toutes ces choses, des belles choses, des trucs de ce monde, toutes ces histoires, et que le diable lui-même inspire beaucoup d'artistes de ce monde à chanter, tous ceux qui se mettent à chanter de cette musique sans le savoir, ils sont en train d'adorer les démons. Et c'est ça, même le péché, parce que rien d'autre ne peut expliquer le fait qu'ils disent que c'est un péché. Un péché, la musique va donner un péché aujourd'hui. Mais j'hallucine ou quoi? Et ce qu'il a dit est vraiment grave.
C'est vraiment grave, hein, monsieur Pou. Il est suivi par des milliers de personnes, des millions, je préfère dire des millions. Il a plus de 1 milliard de vues, hein. Il a plus de 1 milliard de vues. Des millions de vues par clip, hein. Et quand il dit que tous ceux qui ont écouté sa musique vont en enfer, ça veut dire, ça sous-entend que tous ceux qui ont écouté sa musique, qui sont même des milliards, sont susceptibles de se retrouver à l'enfer s'ils ne se repentissent pas, s'ils ne demandent pas pardon à Dieu, s'ils ne changent pas de voie, ne changent pas de chemin. Dans une telle situation, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est grave, hein? Et dans le témoignage puissant précédent, nous sommes encore revenus là-dessus. Un ex-sataniste a confirmé cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave, quand même dans la musique, hein. La musique, on voit comme quelque chose qui est censé nous divertir, qui est censé nous relaxer. La même musique là est devenue quelque chose de dangereux, qui peut conduire même des personnes ou encore des humains à l'enfer. Hein? Voici ce que j'ai retenu des témoignages, ou encore du témoignage de cet ex-sataniste précédent, ou encore de mon expérience en tant que voilà, acteur de Young Scrubbon. L'équipe Young Scrubbon travaille beaucoup et nous recevons des témoignages chaque jour. Et les témoignages que nous recevons sont sont extraordinaires, je dirais même puissants. Et concernant la musique, nous avons également reçu beaucoup de témoignages qui ont révélé que les acteurs ou encore ceux qui chantent la musique, parfois pour le succès, vont jusqu'à pactiser avec le diable. Et ce pacte-là, en question-là, c'est ça qui est le danger ici. Et le contenu de la chanson, et même d'où tire leur inspiration, et même qui les donne les paroles des chansons. Ah! Ça veut dire que tous ces paramètres sont à prendre en compte. Parfois même là, celui qui joue de la musique là, si c'est un guitariste, il peut, s'il a signé un pacte avec le diable par exemple, le diable peut toucher ses doigts. De sorte que la mélodie qui sort de cet instrument-là, ça soit une mélodie fabriquée par le diable lui-même, par Satan. Et ça sera tellement bon, la musique sera tellement bonne, que vous allez sentir le besoin de l'écouter en permanence. Et c'est de là que viendra le succès. En revanche, le diable lui gagne quelque chose, les âmes. Tous ceux qui seront fans de cette musique automatiquement seront tentés de faire quoi? Pécher. Parce que c'est le diable qui a conçu cela. Le diable qui est censé être ici, représenter ici le péché. Selon que cette star a révélé cela, hein, d'après ce qu'il a révélé, par rapport à ce qu'il a dit, on peut voir ici le diable, ici comme le péché. Et l'instrument là, voyez-vous, c'est le style de musique ou la musique. Maintenant, celui-là même qui est devant vous, que vous considérez comme Mister, là, est considéré ici comme quoi? Comme une marionnette, parce qu'à partir du moment où cette star a vendu son âme au diable ou a pactisé avec le diable, il n'est plus propriétaire de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il n'est plus propriétaire de lui. Et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va produire sera fait pour la gloire de celui-là même à qui il a vendu son âme ou avec qui il a pactisé, il a signé le pacte. C'est la condition. C'est pourquoi les pactes avec le diable sont très graves. Il faut éviter. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Mes frères et sœurs, il faut les éviter. Ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, il n'y a pas de chose plus troublante que ça.
Et c'est récent, ça ne date même pas de longtemps. C'est en juin seulement que nous avons. C'est hier, nous avons découvert cela. Mais si c'est trop, ça a trop duré. C'est en juin seulement, ce juin, ce mois de juin 2018, nous avons reçu cela. Mes frères et sœurs, nous avons reçu ce mois de juin plutôt. Mais c'est en juin que l'information est là. Mais mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre comment il y a tellement de choses à dire. Il y a tas de choses à dire. Nous allons revenir dessus. Dites-nous ce que vous avez passé. Regardez même le live précédent. Et nous allons découvrir de quoi il s'agit. Si Dieu permet, nous allons recueillir toutes les vidéos ou encore tous les témoignages où des ex-satanistes nous racontent des choses sur la musique. Et tout ce qu'ils disent sur la musique. Comment c'est fait? Pourquoi certains ex-satanistes disent que c'est une star qui vont dans le monde éternel pour avaler deux serpents ou encore des serpents à deux têtes pour pouvoir bien chanter. Tout ça, nous allons recueillir toutes ces informations-là, si Dieu le veut, dans une prochaine vidéo et vous révéler vraiment le danger qui se trouve dans la musique. Faites attention dès à présent et que Dieu lui-même vous garde. Abonnez-vous à tous sur cette vidéo si ce n'est pas encore fait parce que la prochaine vidéo va sans doute être chaude, ça va être extraordinaire. Soyez prêts. Let's go. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. On se reparle. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur un scoopant. A de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, à de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!